Bonjour, je m'appelle Bruno Canard. Je suis biochimiste et j'aime les virus parce qu'ils sont rusés. Je vais vous présenter le projet Visier, qui est un projet de la communauté européenne qui associe beaucoup de laboratoires qui se proposent de trouver des candidats médicaments contre ces virus émergents qui posent de plus en plus de problèmes et dont le projet Visier a commencé à caractériser les cibles pour ensuite les étudier dans le projet Silver que je vais vous présenter. Venez avec moi. Actuellement, il n'est plus possible pour un seul laboratoire de travailler sur toutes les disciplines d'un tel projet. Donc, le projet Visier est organisé en consortium, c'est-à-dire un groupement de plusieurs laboratoires qui vont travailler sur les différents champs thématiques nécessaires au projet, comme la virologie, qui va étudier et découvrir de nouveaux virus, ensuite la bioinformatique, qui va les caractériser et trouver leurs séquences. Puis la biologie moléculaire, comme ici Nicolas, qui va essayer de définir des cibles de ces différents virus pour essayer de les caractériser au niveau biochimique, comme ici Stéphanie, pour ensuite essayer d'utiliser les structures de ces cibles déterminées par biologie structurale, par cristallographie aux rayons X principalement, pour trouver ces candidats médicaments. Le projet Silver est une suite logique à Visier. Dans Visier, nous avons découvert beaucoup de cibles de virus qui peuvent un jour poser un problème et émerger. Silver propose maintenant de faire de la chimie médicinale en groupant des laboratoires qui vont découvrir de nouvelles molécules qui vont être développées en médicaments contre ces virus émergents. Lorsqu'un virus est isolé et que son information génomique est connue, nous pouvons aisément isoler un gène qu'il sera intégré ensuite dans une bactérie de manière à produire la protéine correspondante qui sera potentiellement une cible antivirale. Cette protéine est produite en grande quantité, puis purifiée au laboratoire et cristallisée. Le cristal de la protéine obtenue sera ensuite diffracté au rayon X et à partir des informations de diffraction, nous pouvons connaître la structure tridimensionnelle de la protéine. Ces informations structurales nous permettent de définir des inhibiteurs contre cette protéine en espérant que l'activité de cette protéine sera inhibée et que la réplication du virus sera atténuée. C'est pas facile de développer un médicament contre un virus complètement inconnu. L'approche qui a été choisie est d'étudier l'ensemble des virus pathogènes. Et lorsqu'un virus inconnu va arriver, à ce moment-là, nous aurons des données scientifiques à l'avance pour faire des médicaments contre ce virus. Il est absolument nécessaire d'avoir ces données scientifiques car des virus émergents peuvent apparaître n'importe quand, à certains endroits de la planète, se répandre dans le monde entier et créer de graves problèmes de santé publique. Lorsque ces données sont disponibles, elles peuvent être ensuite transférées à des modèles de développement de médicaments, que ce soit l'industrie, que ce soit des gouvernements, que ce soit des laboratoires académiques, pour pouvoir développer ces molécules antivirales.